avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur. Et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ces projets de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme l'unique mérite de créer la tension au sein du peuple. Amen. Amen.